L'objectif de la formation de la licence pro CAPI système automatisé, c'est de proposer une poursuite d'études à des titulaires d'un bac plus 2, donc un BTS ou un DUT dans le domaine technique. Cela permettra aussi d'acquérir des compétences en robotique, en automatisme et d'avoir une employabilité dans le bassin de la région assez intéressant et très prisé. Les débouchés pour la licence CAPI système automatisé est très large puisqu'on peut aller dans des secteurs de la maintenance, de l'automatisme et de la robotique, dans des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, l'industriel, la robotique, en formateur robotique, la pharmaceutique, etc. Donc vous voyez que le champ est très large dans ce domaine. Alors cette formation s'adresse à des titulaires de bac plus 2, tels que BTS dans le domaine technique, CRSA, CIRA, ou des DUT, GE2I, GMP, ou dans le domaine de la robotique. C'est une formation qui est en alternance, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Cette formation est en partenariat CNAM Lycée Sainte-Croix Sainte-Verte. Les enseignements techniques se déroulent sur les plateaux techniques de Sainte-Croix-Sainte-Verte, la robotique, l'automatisme, la mécanique. Tous les autres modules sont sur le site du CNAM qui est à Orléans, à 5 minutes de Sainte-Croix-Sainte-Verte. Alors la formation est en alternance, ce qui veut dire qu'il y a des périodes en entreprise et il y a des périodes en centre de formation. Les périodes en entreprise sont sur un rythme de 2 à 3 semaines par mois et un projet tutoré est réalisé lors de cette formation. Lorsque les alternants sont en formation, ils étudient la robotique, l'automatisme. L'entreprise les emploie sur un contrat d'un an, généralement du mois d'août au mois d'août suivant. La formation technique se passe sur des plateaux techniques équipés de 3 robots industriels, un robot Delta et 2 robots Polir articulés. L'entreprise Clemcy, initialement familiale, qui a été créée par Monsieur Clemcy en 1908, est arrivé jusqu'en 1998 à un peu plus de 5000 personnes et une centaine d'implantations en France et à l'étranger. Je disais familiale, l'entreprise aujourd'hui elle a été rachetée successivement par EDF Cogema Siemens puis Veolia et aujourd'hui est tombée sous la coupe du groupe Eiffage. Pour parler un peu plus de l'activité régionale, c'est 140 personnes, c'est un peu plus de 20 millions de chiffres d'affaires et une activité essentiellement dédiée à l'industrie. On retrouve les métiers de l'électricité, qui est le métier de base de Clemcy, l'automatisme, l'informatique industrielle, la mécanisation avec la robotique et tout ce que ça comporte, et puis les différents ensembles de procédés fluides où on déploie de la tuyauterie inox, pour essentiellement les milieux de l'industrie pharmaceutique, chimie fine, cosmétique et agroalimentaire. L'apprentissage dans l'entreprise est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui permet, au moyen d'un tuteur, d'un maître d'apprentissage, de transmettre le savoir. L'objectif, c'est de former des jeunes et de les embaucher à la fin de leur cursus scolaire. C'est l'organisation pour accompagner un jeune qui découvre le milieu du monde du travail, pour allier la formation scolaire,
dites continues ou en présentiel dans un établissement scolaire, et l'accompagner pour apprendre le milieu professionnel lié à son activité future. C'est avant tout un guide qui permet d'accompagner le jeune dans l'entreprise pour lui faire découvrir les différents métiers, en tout cas son métier. Donc il doit avoir une affiliation métier par rapport à la formation du jeune et l'accompagnement dans l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est une formation liée à ce que tout le monde connaît, les arts et métiers, donc une formation de renom, et puis découlée et dépeint par rapport à l'activité professionnelle de l'entreprise. Alors moi, dans le secteur de l'industrie, j'ai commencé mon parcours en bac pro, au lycée des métiers, Sainte-Croix-Sainte-Verte, où là j'ai fait un bac pro ELEC, où j'ai pu faire de la formation au sein de l'entreprise Clemcy, avec un stage, avec plusieurs périodes de stage. Après, moi j'ai fait un BTS de conception réalisation de systèmes automatisés, toujours avec le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, où là, ici, où j'ai été en immersion pendant plusieurs semaines au sein de l'entreprise Clemcy, qui m'a encore fait confiance pour pouvoir rester, on m'a proposé des petits projets, des petites tâches à réaliser. Et en deuxième année de ce BTS, on a pu réaliser un projet en interne pour un certain client de la région. Après, je suis arrivé du coup en licence CAPI, donc avec le Conservatoire National des Arts et des Métiers, où là, ici, j'ai appris le métier en alternance dans l'entreprise Clemcy, qui m'a proposé ici plein de projets en adéquation avec ma licence, donc sur la robotique. Et voilà. Personnellement, le monde de l'entreprise m'a attiré. C'est pour ça que je me suis dirigé vers ces études et qui m'a aussi poussé à continuer. Cette année m'a apporté quand même pas mal de choses. Il y a trois aspects assez importants que j'ai pu remarquer dans cette année. C'est des projets concrets que l'entreprise a pu me donner. L'intégration dans une entreprise, c'était vraiment pour moi une rentrée dans une entreprise, savoir communiquer avec des collègues, gérer des projets, mais collaborer pour pouvoir mener à bien un projet. Il y a aussi l'aspect aussi financier de cette licence qui m'a permis aussi de rentrer personnellement dans une vie active pour avoir mon premier appartement, enfin gérer aussi quelque part pas mal d'aspects personnels. J'ai aussi la chance d'être dans cette entreprise avec des professionnels qui ont su m'encadrer pendant toute une année et qui m'ont proposé de très beaux projets et qui continuent à le faire cette année. Oui, alors j'en ai eu des opportunités. Clemcy m'a proposé un poste en CDI en tant que technicien roboticien. Aujourd'hui, ce poste me permet d'intervenir chez nos différents clients en tant que dépanneur ou installateur de nouvelles cellules robotisées. Aujourd'hui, l'entreprise Clemcy me propose encore des formations sur de nouvelles marques de robots pour évoluer personnellement au niveau de mes compétences, et ainsi que l'entreprise, ça leur permet de proposer à leurs clients des nouveaux robots comme on a pu faire récemment. C'est une très bonne licence avec des enseignants qui sont très à l'écoute et qui nous accompagnent tout au long de l'année, comme en entreprise avec mon tuteur qui a su m'accompagner tout au long de l'année, tout au long des projets, pour chaque question que j'avais. Dans la licence, il ne faut pas voir seulement l'aspect technique. Au niveau de la licence, on nous apprend aussi une méthode de travail qui n'est pas forcément, on nous l'apprend aussi en entreprise, mais c'est vrai que tout ce qui est méthode management, on va l'apprendre vraiment pendant les cours au lycée. Si j'ai un conseil à donner, si les personnes ne veulent plus faire que de la théorie, mais aussi passer à la pratique, il faut se lancer. Les entreprises recherchent vraiment beaucoup de personnes comme ce que j'ai pu faire. C'est pour ça que j'ai été embauché. Du coup, lancez-vous. De formation automaticien, on m'a proposé de faire une licence en robotique afin de renforcer mes compétences en automatisme et d'acquérir des nouvelles compétences dans les domaines de la robotique. Et donc je me suis engagé dans cette formation afin de rajouter une corde à mon arc. Donc j'ai commencé par un bac SSVT,
Je me suis ensuite redirigé vers un DUT géodésie, donc génie électrique et informatique industrielle, au sein d'un IUT. J'ai effectué ma deuxième année en apprentissage au sein de cette entreprise-là. J'ai découvert donc dans cette IUT et la formation et le fait d'être en entreprise tous les domaines de la liés à la robotique et à l'automatisation. Je me suis donc lancé dans une licence SARI, système automatisé, réseau et informatique industrielle, afin de compléter mes compétences dans le domaine de l'informatique et des réseaux et de l'automatisme. Et donc cette année, j'ai entrepris une licence en robotique afin de compléter mon panel de compétences. Donc j'ai toujours été passionné par la robotique et l'automatisme, donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je suis dans ce milieu-là et dans cette entreprise-là. On m'a sorti un mot quand j'étais en DUT, c'est un métier passion, donc c'est quelque chose qui pour moi m'est très cher. Je préfère me lever le matin, mais être content d'aller bosser, mais ne pas gagner des sommes extraordinaires, mais au moins faire ce que j'aime et ce qui me guide. Ça rejoint un petit peu ce que disait mon ancien collègue, monsieur Alexandre Julien, et qui était anciennement apprenti chez Clemcy et à la formation robotique. Pour moi, l'apprentissage, c'est vraiment très important. Enfin, ça permet de passer de la théorie à la pratique. À l'école, on nous apprend plein de choses, mais on n'arrive pas forcément à les remettre en place, enfin, à les visualiser sur quelque chose. Et moi, j'ai besoin de concret. Donc, si, comme moi, vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec les cours théoriques, foncez dans l'apprentissage et vous découvrirez plein de métiers différents. Et au moins, vous saurez si ce que vous faites vous plaît vraiment ou non. Côté alternant, il s'agit d'un dispositif d'aide, de mise en place afin de soutenir et d'assister un ou une future alternante lors de ses démarches pour intégrer une formation CNAM et tout au long de son parcours. Il est question de définir ensemble un projet en corrélation avec le parcours et le souhait de formation du candidat. Nous sommes également en appui lors de la recherche d'une structure d'accueil dans le cadre de l'alternance et nous l'accompagnons vers son employabilité post-formation. Côté entreprise, notre rôle est de les renseigner, de leur proposer des formations adaptées aux besoins de recrutement, de leur proposer des alternants en recherche d'entreprise et de les accompagner lors de la contractualisation et tout au long du parcours. En tant qu'alternant, nous vous proposons en amont et pendant la formation un accompagnement individuel ou bien collectif sous forme par exemple d'atelier. L'objectif étant de construire, valider et consolider votre projet professionnel, vous aider dans votre recherche d'emploi post-apprentissage, par exemple aide à la rédaction CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens. Vous informer également sur les aides à votre disposition, qu'elles concernent le financier, le logement ou bien la mobilité internationale, etc. Pour les entreprises, nous pouvons vous mettre en relation avec vos futurs alternants et collaborateurs. Nous vous aidons dans la définition des missions de l'alternant en prenant appui sur nos référentes filières. Nous vous accompagnons également sur les démarches administratives et bien sûr, nous sommes présents tout au long du parcours afin de répondre à vos besoins.